Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo dédiée entièrement à la coagulation plasmatique. C'est quoi au juste cette coagulation plasmatique? Il s'agit d'un ensemble de phénomènes qui vont aboutir à la transformation du fibrinogène en fibrine. Et cette fibrine va coller les plaquettes les unes aux autres. Ce phénomène va stabiliser le clou plaquettaire formé lors de l'hémostase primaire. Et donc, cette fibrine va jouer le rôle de colle. Premièrement, je vais vous parler des différents acteurs de cette coagulation plasmatique, puis décrire les scénarios, c'est-à-dire les mécanismes de cette coagulation. Comme d'habitude, je vous mets dans la description le plan de cette conférence, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Il me reste qu'à vous dire bonne écoute et à très bientôt. Donc, comme on l'a fait lors de notre premier épisode, nous allons introduire les différents acteurs intervenant dans la coagulation plasmatique. Et je commencerai par les vedettes, qui sont les facteurs de coagulation, qui est un ensemble de protéines enzymatiques aboutissant à la transformation du fibrinogène en fibrine. Le deuxième acteur, c'est les protéines inhibitrices de la coagulation qui vont empêcher la coagulation de déborder et aboutir à l'effet inverse, c'est-à-dire la thrombose. Le troisième acteur, c'est le facteur tissulaire qui est la thromboplastine, c'est l'initiateur de la coagulation. Et le quatrième acteur, c'est les phospholipides membranaires, qui est un support pour toutes les réactions de la coagulation. Et enfin, le calcium est très important pour toutes les étapes de l'hémostase. Les facteurs de coagulation sont des protéines plasmatiques synthétisé majoritairement par le foie. Ce sont des proenzymes inactifs et dont l'activation survient lors des processus de coagulation et cette activation va se faire, comme on va le voir, en cascade, comme dans le processus de l'activation du complément. Donc, ces facteurs de coagulation sont en nombre de 10. Le premier, c'est le facteur 1, qui est le fibrinogène. Le 2, c'est la prothrombine. Le facteur 3 n'existe pas dans la nomenclature. Il a été retiré vu qu'il s'agit de la thromboplastine. Et la thromboplastine est un facteur tissulaire et non un facteur de la coagulation. Le facteur 4 est tout simplement le calcium. C'est pour cela qu'il a été retiré de la nomenclature. Le facteur 5, qui est la proaccélérine. Vous remarquez qu'il n'existe pas de facteur 6, vu qu'il s'agit de l'accélérine et donc du facteur 5 activé. Le facteur 7, qui est la proconvertine. Le facteur 8 est l'anti-hémophilique A. Le facteur 9 est l'anti-hémophilique B. Le facteur 10 est le facteur de Stuart. Le facteur 11, c'est le facteur de Rosenthal. Et le facteur 12 et le facteur de Hagman. Et dernièrement, le facteur 13 qui est le facteur stabilisateur de la fibrine. Donc tous ces facteurs sont des proenzymes, à l'exception du facteur 8 et du facteur 5 qui sont des cofacteurs. Il joue un rôle de stimulateur de la réaction protéique. Tous ces facteurs de coagulation sont fabriqués majoritairement dans le foie. Il n'est pas surprenant qu'une hépatopathie peut entraîner un trouble de la coagulation. Quatre de ces facteurs de coagulation sont importants à évoquer. Ce sont les facteurs vitamine K dépendants dont la synthèse nécessite de la vitamine K. Ce sont les facteurs PPSB, la prothrombine,
la proconvertine, le facteur de Stuart et l'antihémophilique B, le 7, le 9, le 10 et le 2. Après avoir introduit les facteurs de coagulation, on va passer aux inhibiteurs de la coagulation. Parmi ces inhibiteurs, la vedette qui est l'antithrombine, comme son nom l'indique. C'est une protéine qui se fixe à la thrombine, c'est-à-dire le facteur 2 activé, et qui va l'inhiber. Mais l'antithrombine n'inhibe pas seulement la thrombine, mais aussi d'autres facteurs comme le 10, le 11. On va voir ça dans notre scénario tout de suite après. Donc l'antithrombine est une glycoprotéine plasmatique synthétisée par le foie. Après l'antithrombine, la protéine C et la protéine S. On parle toujours du couple protéine C, protéine S, vu que la protéine S est un cofacteur de la protéine C. La protéine C est un inhibiteur de facteur 8 et le facteur 5. Et comme on a déjà dit juste avant, les facteurs 5 et 8 sont des cofacteurs. Donc la protéine C est un inhibiteur de ces cofacteurs et la protéine S potentialise et stimule l'activité de la protéine C. Il faut savoir que ce couple protéine C et protéine S nécessite de la vitamine K pour leur synthèse. Enfin, la protéine S existe sous deux formes. La forme libre, qui est la forme active de la protéine S, et la forme liée à la C4B binding protein, qui est une protéine du système du complément. En dernier, vient de TFPI, qui est le Tissue Factor Pathway Inhibitor, qui a été découvert récemment et utilisé en thérapeutique. Ce TFPI inhibe le complexe facteur tissulaire, facteur 7, mais on reviendra sur ce mécanisme juste après dans notre scénario de deuxième épisode. Le troisième acteur, c'est le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire est un facteur initiateur de la coagulation in vivo et l'activation exogène de la coagulation in vitro. C'est une glycoprotéine de très forte affinité au facteur 7, avec lequel il va former un complexe facteur tissulaire facteur 7 en présence du calcium, bien sûr. Cette thromboplastine est libérée par les cellules endothéliales. On a déjà évoqué ça lors de notre premier épisode sur l'hémostase primaire. Le facteur tissulaire n'est pas seulement produit par les cellules endothéliales, mais par de nombreux tissus tels que le placenta, le foie, le poumon, le cerveau. Mais c'est surtout la lésion du vaisseau et donc des cellules endothéliales qui nous intéressent dans ce cas de figure. Les phospholipides de la membrane plaquettaire sont très importants car ils forment le support sur lequel vont se passer toutes les réactions d'activation de la coagulation. Le cinquième acteur de la coagulation plasmatique est le calcium. Et on ne le répétera jamais assez, le calcium est indispensable à toutes les phases de l'hémostase, c'est-à-dire l'hémostase primaire, la coagulation et la périhémolyse. De telle façon, lorsqu'on veut explorer la coagulation, on prélève le sang sur un tube citraté. Le citrate est un chélateur de calcium qui est réversible après adjonction du calcium. Lorsque le sang est prélevé sur un tube citraté, il est incoagulable. Et lorsqu'on ajoute du calcium, le processus de coagulation va redémarrer. Bien
Évidemment, le calcium est présent dans le plasma, mais il est également stocké dans les plaquettes. Comme on l'a vu lors de la première vidéo, il est présent dans les granules denses et le système tubulaire dense. Maintenant qu'on a revu tous les acteurs intervenant dans la coagulation plasmatique, on va passer au scénario. Où doit-on dire les scénarios? Car en effet, lors de la coagulation plasmatique, deux scénarios peuvent être rencontrés. Et ceci dépend de la situation où se trouve. Le premier scénario se présente in vitro, c'est-à-dire au laboratoire dans un tube citraté. Le deuxième scénario se voit in vivo, c'est-à-dire dans un corps humain lors d'une hémorragie. Je sais que tout ça vous paraît un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va commencer par le scénario le plus simple, c'est-à-dire le scénario in vitro. Donc la coagulation plasmatique au laboratoire peut être déclenchée par deux voies bien distinctes. Ces deux voies auront le même résultat final, c'est-à-dire la transformation du fibrinogène en fibrine. La voie extrinsèque ou exogène est appelée ainsi car elle est déclenchée par un facteur tissulaire et non plasmatique. Le facteur tissulaire va se lier au facteur 7 activé et ce complexe va transformer le facteur 10. Par contre, la voie intrinsèque ou endogène est activée par des facteurs plasmatiques. La précalécréine va se transformer en calécréine qui, elle, va transformer via le kininogène au poids moléculaire le facteur 12, puis 11, puis 9, et tout ça en cascade. Ces deux voies vont se croiser dans une voie commune qui est la transformation du facteur 2 ou la prothrombine en thrombine qui, elle, ensuite transformera le fibrinogène en fibrine. Donc, la voie extrinsèque ou exogène va être explorée grâce au temps de Quick ou le TQ qui est exprimé en secondes, mais peut être converti en taux de prothrombine exprimé en pourcentage. La voie intrinsèque est explorée grâce au TCA, le temps de céphaline et activateur, exprimé en secondes, alors que le temps de thrombine est exprimé en secondes, il explore la voie commune. Maintenant, on va décrire la voie exogène en plus de détails. Comme on l'a évoqué, le facteur tissulaire va déclencher cette voie. Il va se lier au facteur 7 activé grâce à des ions de calcium. Ce complexe facteur tissulaire, facteur 7 activé, a la capacité de transformer le facteur 10 en facteur 10 activé qui, lui, va se lier au facteur 5, puis se déposer sur un facteur 3 plaquettaire qui est tout simplement un phospholipide de la membrane cellulaire. Cette liaison est produite grâce à des ponts de calcium. Ce complexe est appelé prothrombinase car il est capable de transformer la prothrombine en thrombine. La thrombine produite a la capacité de transformer le fibrinogène en une fibrine. Maintenant, regardons la voie intrinsèque qui est déclenchée soit par la précalécréine, soit par une surface électronégative qu'on appelle le kaolin. La calécréine avec le kininogène de haut poids moléculaire vont transformer le facteur 12 en 12 activé qui, à son tour, va transformer le facteur 11 en 11 activé, puis le 9 en 9 activé. Le 9 activé va se lier au facteur 8 activé et se déposer encore une fois sur le facteur 3 plaquettaire en présence de calcium.
ce complexe, facteur 9 activé, facteur 8 activé, le facteur 3 plaquettaire et le calcium est appelé ténase. La ténase a la capacité, encore une fois, de transformer le facteur 10 en facteur 10 activé. Il va se lier au facteur 5, le calcium, et le facteur 3 plaquettaire qui vont former la prothrombinase, transformer la prothrombine en thrombine qui, elle, transformera le fibrinogène en fibrine. Cette fibrine est au départ soluble, puis va devenir insoluble grâce au facteur 13 activé. Voici le schéma général de l'activation de la coagulation in vitro. Vous voyez que les traces de thrombine produites au départ vont servir à la transformation du fibrinogène, l'activation du facteur 5 et le facteur 8. La thrombine, elle a aussi la capacité d'activer le facteur 13 en 13 activé, qui est le stabilisateur de la fibrine. Maintenant, il est temps de passer au deuxième scénario, c'est-à-dire in vivo, dans un corps humain, lors d'une blessure et d'une hémorragie. Alors accrochez-vous. Dans un corps humain, il n'existe pas de voie endogène et de voie exogène. Mais, par contre, il existe une initiation de la coagulation suivie d'une amplification de cette coagulation. Et l'initiation de la coagulation est déclenchée grâce au facteur tissulaire qui va se lier au facteur 7 activé en présence de calcium. Et ce complexe a la capacité de transformer le facteur 10 et 9 en même temps. En fait, le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé a la capacité de shunter la voie endogène. Et donc, il va se créer ce qu'on appelle in vivo la boucle de Josu. Cette boucle de Josu a pour but de produire une ténase, c'est-à-dire un facteur 9 activé lié à un facteur 8 activé, le tout qui repose sur une phospholipide, le facteur 3 plaquettaire et des ponts de calcium, ainsi que la production d'une prothrombinase, c'est-à-dire un facteur 10 activé, facteur 5 activé, facteur 3 plaquettaire et calcium. Cette prothrombinase a la capacité de transformer de la prothrombine en thrombine. Et la thrombine a plusieurs rôles. Le premier, c'est de transformer le fibrinogène en fibrine, puis d'activer les plaquettes. Vous vous rappelez, lors de l'hémostase primaire, de l'activation plaquettaire qui survient juste après l'adhésion plaquettaire. Elle a la capacité aussi d'activer le facteur 5 et le facteur 8, qui sont, je vous rappelle, des cofacteurs et non des enzymes sérines protéases. La thrombine, elle a aussi un autre rôle dans l'activation du facteur 13. Le facteur 13 activé a la capacité de rendre cette fibrine qui est soluble en une fibrine insoluble et stable grâce à des ponts disulfures. Passons à l'amplification. Je rappelle que la thrombine, elle a une autre action, et d'activer le facteur 11, en facteur 11 activé. Mais l'amplification est surtout produite par la transformation du précalcréine en calcréine grâce au kininogène de haut poids moléculaire qui, lui, est activé par le facteur 12 activé. Vous allez me dire, c'est un peu trop compliqué. Mais cette voie ressemble très étrangement à la voie endogène. Calicrine et le kininogène de haut poids moléculaire vont transformer le 12 en 12 activé.
Le 12 activé transforme le 11 en 11 activé, qui lui transforme le 9 en 9 activé. Il va se lier au facteur 8, le facteur plaquettaire et les ponts de calcium. Donc, une autre forme de ténase. Il existe une ténase qui est d'origine exogène et une ténase qui est d'origine endogène. Donc, cette ténase va activer le facteur 10. Le 10 activé va se lier au facteur 5 activé, se reposant sur des phospholipides grâce à des ponts du sulfure et transformer le facteur 2, c'est-à-dire la prothrombine, en thrombine. Et donc, transformer le fibrinogène en fibrine, puis le facteur 13 intervient en dernier où il va stabiliser les fibrines et les rendre insolubles. Maintenant, parlons des inhibiteurs. Et le premier, c'est l'antithrombine. Comme son nom l'indique, l'antithrombine a la capacité d'inhiber la thrombine en se liant avec elle et donc de transformer les fibrinogènes en fibrine. Accessoirement, l'antithrombine a la capacité d'inhiber le facteur 10 activé, d'inhiber le facteur 9 activé et aussi d'inhiber le facteur 11. Maintenant, parlons du couple protéine S, protéine C. La protéine C a la capacité d'inhiber les deux cofacteurs, le 8 activé et le facteur 5 non activé. Mais la protéine C ne peut pas accomplir sa fonction si la protéine S est absente. Et donc la protéine S est un cofacteur de la protéine C. Et ces deux protéines, je vous rappelle encore une fois, sont vitamine K dépendants. Le TFPI a la capacité d'inhiber le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé. Enfin, j'aimerais bien vous montrer le schéma général de la coagulation in vivo. Si je vous avais montré ça au début, ça vous aurait fait peur. C'est pour ça qu'on divise toujours la coagulation et l'hémostase en étapes pour des raisons purement pédagogique.